Bonjour tout le monde, c'est Nati, mes chers béliers. Comment allez-vous? J'espère que ça va, mes chéris. En tout cas, je vous le souhaite, mes amours. Alors, là, on va faire la guidance, le tirage du lundi 7 au dimanche 20 mars. Qu'est-ce que ça passe vite? Je ne sais pas vous. Si vous trouvez que ça passe vite, moi, je trouve que ça passe vite. Allez. On va regarder un petit peu. Je me fais de la place. Qu'est-ce qu'on met pour les béliers, s'il vous plaît? On a un projet? Ou alors, il y a grossesse-naissance ici. Mes chéris, chez mes béliers. Ok, on a un projet, mais on est bloqué. On est bloqué ici. Il y a du ralentissement. Il y a un blocage pour certains, certaines. D'autres, c'est peut-être un ralentissement, voire les deux. On n'arrive pas à avancer. Mais ça va changer. Tant mieux. Ça va changer. Il y a quelque chose. Hein. Je ne peux pas vous dire quoi. Ce n'est pas écrit sur les cartes. Mais toujours est-il que il y a quelque chose qui va faire en sorte que ça va se débloquer, et puis vous allez vous sentir mieux. Hein. C'est clair, hein, on a le soleil. Hein. On va être dans la joie, on va respirer, on va être dans l'abondance ici, dans la joie, on va être mieux. Hein. D'accord? Toujours est-il que certains, il y a un travail magnifique de fait au niveau de vous, vous-même, d'accord? Un travail intérieur. Et donc, si vous voulez, ici, on va vers le bien-être. C'est important. Sinon, comment voulez-vous fonctionner? Comment voulez-vous avancer dans la vie? Mais là, c'est clair que bravo à vous. Pour certains et certaines, j'ai un travail intérieur, développement personnel. C'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Pour d'autres personnes, ici, on me parle d'un nouveau emploi. D'accord? Prochainement, hein, c'est une question de temps, c'est l'univers qui le décide, c'est pas moi. Pour l'instant, c'est une question de temps, mais ça se joue en coulisses. Ici, on a un nouvel emploi ou une nouvelle formation. Quelque chose comme ça, en tout cas. Et on va être, on va vers quelque chose qui nous correspond davantage. D'accord? On va vers l'épanouissement. Oui, alors ici, ça nous a travaillé ou ça nous travaille toujours. On est un petit peu angoissé, on y pense, on ressasse, vous voyez. Mais pour d'autres, c'est au niveau du pro, c'est pareil. Hein. C'est valable. Hein. Ici, il y a de l'anxiété, il y a de la nervosité. Il y a, ben, je vous dis, on ressasse, on pense. Donc pour certains, je pense que certains et certaines au travail, il y a une... Il y a une période lourde, il y a une période pas évidente, d'accord? Mais ça va aller. Vous avez le soleil au-dessus, ça va aller. Les choses vont avancer, mes chéris, parce qu'on a le jugement. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Il y a quelque chose d'imprévu. Hein. Peut-être que vous ne le savez pas encore, parce que peut-être que vous attendez une réponse, peut-être aussi, mais il y a quelque chose au niveau de l'emploi qui va bouger. La situation, elle va avancer, elle ne va pas rester comme ça. Votre mental, pour certains et certaines, il faut déconnecter là. Au moins ce week-end, faites, si vous ne travaillez pas ce week-end, parce qu'il y a des personnes qui travaillent le week-end, et si vous ne travaillez pas, pensez à vous déconnecter. Et honnêtement, si vous travaillez le week-end, le soir, si vous pouvez vous reposer ou le dimanche, mais pensez à vous. Hein. D'accord? Elle était à l'envers. Hein. Et sinon, pour d'autres personnes ici... Je regarde vos cartes. Certains et certaines, on passe du temps et on a envie, et c'est comme ça qu'on évolue aussi par rapport à sa propre spiritualité, par rapport à... On va, certainement, on a le livre ici, on a des connaissances spirituelles, d'accord? Pas que, hein, ça peut être l'intellect aussi, mais
On va rajouter du savoir ici. On va rajouter du savoir, je le vois bien. On s'instruit, enfin on continue à s'instruire parce qu'on sait déjà beaucoup de choses. Vous êtes dans la dualité par rapport à... Peut-être ici, hein, parce qu'ici, on a la tempérance, d'accord? Peut-être vous êtes en dualité par rapport à un choix à faire, d'accord? Pour avancer dans votre vie. Donc, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux emplois ou deux choses hein, dans la vie. Et là, on vous demande de vous positionner. L'univers vous demande de prendre votre choix, de faire votre choix surtout. Et sinon, au niveau de mes couples ici, bah, écoutez, il y a la tempérance, il y a l'équilibre, d'accord? Mais pour certains, le temps est long. Pour certains, c'est comme si on me disait, il y a une routine qui s'est installée, on a envie de nouveauté, là. C'est ce qu'on me dit, ouais, on a envie de nouveauté. Pour d'autres, bah oui, pour mes célibataires, il y a de la rencontre dans l'air. De la nouveauté, bah c'est bien ça. C'était bien le message, je vous remercie mes guides, ça confirme. On va voir ce que c'est. Il y a de la routine, mais peut-être on est sous un conditionnement. Voilà. Vous êtes, c'est-à-dire, ouais, on est dans l'illusion. Quelqu'un nous a conditionné, c'est-à-dire l'autre. Hein. L'autre nous a conditionné et joue avec notre cœur. Hein. Mais vous avez espoir. Mais par contre, je ne sais pas, parce que ici, comme j'ai l'illusion, vous vous illusionnez. Hein. Ici, j'ai la chance, hein, c'est clair. Il y a de la rencontre dans l'air, hein, mes chéris, hein, chez mes béliers, hein, prochainement. Hein. Ça vous apporte l'harmonie. Et sinon, ici, chez mes couples, on s'aime, il y a l'harmonie, la douceur, ben voilà. La souplesse, la douceur, flexible. On va être flexible, hein. On va trouver du temps pour l'un et pour l'autre, en fait, pour se retrouver, pour se faire du bien, peut-être des sorties, accepter des invitations, vous voyez. Mais il y a du divertissement dans l'air et puis on s'apporte du temps ici et de l'attention, vous voyez. Ici, il y a un regain. Bah oui, moi j'ai des célibataires ici, ils ne resteront pas longtemps célibataires. En tout cas, tant mieux. Il y a un regain, vous êtes intéressé par une personne, attiré par une personne, d'accord. On renaît, ça nous fait du bien. Pour mes couples, c'est ce qui me semblait bel et bien ici. J'ai des grossesses, des naissances qui ressortent. On a des projets. Toujours est-il, donc peut-être un voyage, peut-être acheter un bien, peut-être déménager, emménager, déménager de quelque part et louer quelque chose de plus grand ou plus adéquat ou quelque chose où on se sent mieux, d'accord? Et sinon, pour d'autres personnes, bah, ça peut être plein de projets, ça dépend de vous, ce que vous vivez, ce que vous désirez, d'accord? Mais ici, on a de la chance qui nous accompagne, d'accord? Donc, pour moi, ça va se faire. Alors, je regarde vos cartes. Puis ici, vous êtes fragile, hein, par contre. Hein. Je vous dis, vous êtes dans l'illusion. Hein. Ben, non, mais c'est vrai que j'ai le... Ici, j'ai le coup de foudre hein, pour mes célibataires. La rencontre, coup de foudre et renaissance, mes chéris d'amour. Ouais, on va être dans la tendresse. Hein. Même mes couples, là, vous êtes dans la tendresse. On s'aime, on se respecte, on s'élève. C'est magnifique. Hein. Alors, je regarde un petit peu vos cartes. Il y a un projet qui va voir le jour, ou peut-être vous l'avez déjà mis sur pied, ou pas, ça dépend, d'accord. On va vers l'accomplissement, l'épanouissement. On rajoute du savoir, hein, je voulais dire. C'est possible que pour certains et certaines, votre projet, vous achetez du matériel, des outils, quelque chose comme ça, hein, c'est fort probable. Hein. Ici aussi, on avance par rapport au passé. On va vers la guérison, mes chéris. Je vous dis, je le vois très, très bien. Vous tirez des leçons. Vous ne voulez plus, comment dire, vous voulez plus reproduire les mêmes schémas. Vous ne voulez plus connaître ça. Et vous avez bien raison. Il faut avancer dans la vie et vous allez vers un meilleur. Pour moi, aujourd'hui, on est le 11, d'accord, mars. Mars, pour moi, la fin du mois, on reprend ses forces, on reprend sa place, d'accord.
Et peut-être vers la fin du mois, je vous dis mars, avril, par là. Ça peut être mai aussi, hein, ça peut ressortir. On va être intéressé vers un nouveau emploi ou alors une nouvelle formation. Ou c'est possible aussi, cette carte aussi, moi, pour moi, c'est aussi les concours. Possible qu'on se prépare à un concours ici. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mes chéris. En tout cas, ici, on vous demande de vous positionner. Mais quel que soit le choix, pensez à votre bien-être, à vous. Pensez à vous choisir, vous, d'accord ? Pensez au mieux pour vous, en tout cas. Parce que des fois, on choisit mal, justement, vous le savez très bien. Et là, il y a deux choix à faire, hein, c'est clair. Hein. C'est possible que certains et certaines, il y a deux choix entre deux personnes, hein, homme ou femme, peu importe. Vous... Mais ici, on est dans l'action, j'aime beaucoup. Hein. Moi, je pense que d'ici, on va dire... bon, là, c'est pour la semaine, je vous ai dit, hein, du 14 au 20. On va se sentir de mieux en mieux, c'est ça que je veux dire. Plus vous allez vers le printemps... Plus le moral est au beau fixe, plus on est dans l'action et on s'apporte du bien-être. Ça j'aime beaucoup. Parce que chez mes béliers, hommes ou femmes, il y en a qui ont fait un travail formidable sur eux-mêmes. Et on a un coup de pouce au niveau de votre religion ou alors de la spiritualité. Ou on a regardé des reportages ou alors on a regardé... vous savez, il y a des vidéos sur YouTube, sur l'éveil, sur beaucoup de choses. Hein. Et donc, en fait, si vous voulez, en tout cas, on est parti, ou alors on a acheté des livres aussi. Hein. Mais on s'intéresse de plus en plus à la spiritualité. Ça nous apporte des réponses, ça nous adoucit, ça nous apaise. Voilà. Et j'ai beaucoup de générosité ici. Donc, c'est possible, après, ça ne veut rien dire, mais c'est possible que ça soit un cadeau. On va vous faire un cadeau ou quelqu'un va vous offrir quelque chose. Enfin, vous verrez. Mais en tout cas, ici, j'ai de la générosité qui ressort. Et puis, il y a de l'abondance ici. Il y a de la réussite prochainement, mes chéris. Et je vous dis, hein, il y a soit une nouvelle formation ou un nouveau emploi. Pour certains et certaines. Ou c'est possible aussi qu'on vous a proposé un nouveau poste. Là où vous travaillez, hein, d'accord, dans votre emploi, et que vous allez vous élever. Toujours est-il ici, il y a l'abondance et on s'élève ici. J'aime beaucoup, vous êtes dans l'action, mes chéris, c'est votre carte centrale, le soleil. Hein. J'aime beaucoup votre tirage. Vous allez sortir de cette nervosité, de cette période plombante, lourde. Vous sortez. C'est très bien. Je suis contente, mes chéris. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à vous, mes chéris, faites-vous du bien, au moral, à vous-même. Également, faites un peu de sport ou de marche. Voyez, changez un petit peu, voyez des amis, sortez. Ou sinon, faites tout simplement une balade, c'est très bien. Hein. Ou du repos aussi, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du repos, de s'accorder du repos après une semaine, qu'on travaille ou non. Vous savez, c'est pas évident. Donc, faites-vous du bien, pensez à votre bien-être, mes amours. Je vous envoie de l'amour inconditionnel, mes chéris, et je vous dis à bientôt. Bon week-end, mes béliers, à bientôt. Bisous.